course qui est devenue finalement très tactique. Pour diriger Grandin à la ville, 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 à derrière Athéna Grandet qui a eu un petit peu de mal à suivre l'accélération d'Adia, sortie bientôt du tournant via Anastasia Fela avec en troisième position maintenant Athès Deschamps. À la corde Athéna Grandet, Axel Dark, complètement fermé, toujours à la corde. À ses côtés, Olaïda, suivi par Alessia Latou, sortie bientôt du tournant avec Athéna Grandet au galop. Et c'est toujours Adia qui a l'avantage devant Anastasia Fela à distance. On lutte avec Axel Deschamps, Axel Dark. Olaïda qui vient également au centre avec Adia qui repart par la chance d'Anastasia Fela. Adia qui a l'avantage d'Anastasia Fela qui va se retirer. Fabrice Anastasia, une nouvelle fois, elle est donnée au vent, une nouvelle fois elle gagne. Ouais, ouais. Ça n'a pas été vite non plus. La course a été gentiment jusqu'au dernier 6-700, à mon avis, ça a enclenché. Non, c'est bien ce qu'elle fait donner au vent comme ça. Ils ont dû faire un bon dernier 500, donc c'est de bon augure. La jument a été allégée dans la ferrure, donc je pense que c'est bien. Et pour le critérium, on va peut-être pouvoir déférer les 4, donc ça va être une bonne chose à mon avis. Tu prends le chèque, Franck, il ne met pas le chèque. Oui, je pense. On va quoi le critérium. On n'a pas de pression, on est propriétaire de la jument. Donc voilà, on va se faire plaisir. C'est sûr qu'elle a une belle course de 1100 avant, mais bon, ou après, la veille, je crois. Mais bon. Je vais l'économiser, c'est pour les jeunes organismes comme ça, de courir souvent monter, c'est peut-être un peu, elle a que 3 ans, peut-être courir que les belles courses monter et la préserver athlée, donc voilà, on va essayer. Est-ce que tu l'as senti en progrès depuis Ouais, la jument est beaucoup plus belle, beaucoup plus calme qu'elle était, elle était très compliquée, on a eu beaucoup de mal à l'avoir dans cet état-là, donc on est content surtout aussi de ça, parce que c'était une jument qui était très difficile, donc voilà, le fait de l'avoir, je pense que... Elle a toujours été très bonne, mais elle ne montrait pas ce qu'elle faisait voir parce qu'elle était tendue, difficile, autoritaire. Donc là, maintenant, elle a l'air de prendre ça du bon côté. Un homme qui sait parler aux femmes, alors. Ça, je sais pas. Peut-être, oui. J'avais mal calculé ma course, je crois. Parce que Philippe, il m'a dit que la jument à messager, c'était pas mal. Puis moi aussi, comme j'ai besoin d'un dos, je n'avais pas pris les bons mots, c'est tout. Mais elle a bien fini. Je pense que ça va être mieux contre les mâles. Il va avoir peut-être un peu plus de train. S'il y a plus de temps, c'est mieux pour elle. Elle est quand même très impressionnante quand elle se met sprinter. Ah ben, c'est incroyable. Donc, les critères qui sont comment ? Bon, il faut avoir la bonne course, mais la jument, si elle reste bien, je pense que c'est le principal. Il n'y a aucune raison pourquoi elle ne va pas rester bien.